Bonsoir à tous, c'est Robert87000. Donc je me devais de vous faire une vidéo tout simplement pour vous prévenir qu'il y a des packs à 100 000 qui viennent de sortir. C'est des packs à 100 000, mais contrairement aux dernières fois où c'était sur 24 heures, là c'est qu'au nombre de packs, donc il y en a 9056, ce qui veut dire qu'il va y avoir vraiment le marché qui va s'écrouler. Donc il faut vraiment investir au moment où il n'y aura plus un seul pack restant. Donc on voit que ça descend, hein, ça descend doucement. Je pense que sur PlayStation et sur Xbox aussi ça va descendre doucement. Les joueurs vont forcément mettre leur meilleur joueur au plus bas prix. C'est à vous d'investir au bon moment. Seule chose, malheureusement, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils vont faire une deuxième vague de packs à 100 000, par exemple lundi soir ou mardi soir. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'inconnu. Mais en tout cas, là, ce soir, n'hésitez pas à acheter un maximum de joueurs. Là, attendez que les packs restants soient vraiment au plus bas, que les joueurs fassent vraiment de grosses erreurs. En général, c'est à ce moment-là où c'est encore même mieux que quand il reste un certain nombre de temps. Là, quand il reste un certain nombre de packs, ça rend vraiment les gens très cons. Et donc ça va vous permettre d'acheter n'importe quel joueur vraiment à des tarifs préférentiels. Je vous conseille de cibler surtout les joueurs qui risquent d'être dans la dernière TOTS de l'année, qui va être la TOTS, la super TOTS avec les meilleurs joueurs. Donc je vous conseille de cibler, voilà, des joueurs qui ont une chance d'en faire partie. Évidemment, Messi, Neymar, Suarez en feront partie, Ronaldo en fera partie également, mais vous pouvez tenter des petits coups comme un Griezmann, comme ça je pense qu'il en fera partie, un De Bruyne aussi devrait en faire partie, un Thiago Silva, voilà tous ces joueurs-là qui risquent de faire. Je me suis noté Lacazette, évidemment Hazard, voilà, c'est des joueurs qui ont quand même une possibilité. Lacazette, ça a la moindre répercussion, mais par exemple De Bruyne, je vous conseillerais d'investir dans toutes ces cartes, hein, que ce soit ses Man of the Match, ses If, etc. La semaine prochaine, forcément, il sera dedans, et je pense que ce soir, avec les packs à 100 000, vous allez pouvoir vous faire des couilles en or. On voit que ça descend très doucement, forcément, ben, les gens, on arrive en fin de TOTS, et les gens n'ont plus forcément énormément de crédit, donc pour pouvoir ouvrir des packs, il y en a vraiment qui vont mettre des prix ahurissants. Allez, investissez un maximum quand les packs seront au plus bas. Vous allez pouvoir vous faire un max de crédit déjà dès demain. Mais si vous investissez sur les joueurs qui risquent d'être dans la dernière TOS de la semaine prochaine, voilà, hein, qui sera la meilleure équipe, vous risquez de doubler, voire tripler vos crédits. Je vous dis à bientôt, c'était Robert87000. Ciao les gars.